pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment enlever les tiques avec de l'huile? Prendre soin de notre maison et de notre famille, y compris les animaux domestiques, peut parfois présenter plus de difficultés que prévu. Parfois, les deux peuvent être affectés par des menaces externes, telles que la présence d'insectes ou de parasites qui présentent un risque pour la santé et l'hygiène. Le fait de ne pas savoir comment les combattre correctement peut devenir un problème sérieux qui finit par affecter notre quotidien. Qu'est-ce qu'ils sont et comment enlever une tique de chien? Les tiques appartiennent à la famille des acariens et sont également appelés ixodoides O. Ce sont des parasites et leur nourriture principale est le sang de n'importe quel animal, y compris celui de l'homme. En outre, ils sont porteurs et transmetteurs de pathologies graves telles que la maladie de Lyme ou le typhus. Pourquoi les tiques apparaissent-elles chez nous? La chose la plus normale est qu'ils entrent si nous avons un animal domestique. Il est donc très important de surveiller en permanence les cheveux de notre compagnon à quatre pattes, car ces petits parasites peuvent se retrouver dans nos tapis, nos canapés et nos lits et même nous atteindre. Les mois avec la plus forte prolifération de tiques sont ceux correspondant au printemps et à l'été, car pendant l'hiver, en raison du froid, ils ont tendance à rester inactifs. Des précautions particulières doivent également être prises dans les zones à forte humidité, ce qui favorise son développement. Comment enlever les tiques avec l'huile d'olive? Ce remède naturel est très simple et, comme nous l'avons expliqué précédemment, cela ne signifie pas que notre animal de compagnie souffre de la présence de produits chimiques, en particulier s'il est encore petit et qu'il n'a pas été vacciné à cause de son âge. Pour éliminer les tiques avec de l'huile, vous aurez besoin de gants de latex, petites pincettes, 100 ml d'alcool désinfectant, 2 petites cuillères à soupe d'huile. Comment enlever un chien avec de l'alcool et de l'huile de tique? Commencez par mélanger l'alcool et l'huile dans un bol. Lorsque le mélange est plus ou moins homogène, mettez des gants en latex pour commencer à inspecter votre animal pour détecter les tiques. L'utilisation de ces gants est très importante car ils empêcheront les parasites de vous piquer. Puis commencez à chercher des tiques le long du corps dans votre animal, séparant les poils, car ils sont attachés à la peau, avec la tête insérée à l'intérieur pour aspirer le sang. On les trouve généralement dans les zones les plus chaudes, c'est-à-dire où les cheveux abondent, comme dans le ventre ou derrière les oreilles. Lorsque vous en avez trouvé un, la procédure est simple. Plongez d'abord les gants dans le mélange d'huile et d'alcool. On peut dire que l'huile étouffe la tique, la tue ou la force à retirer sa tête et à trouver un autre endroit, et l'alcool sert de désinfectant pour la zone touchée par le parasite. Par conséquent, laissez tremper la tique dans cette solution et attendez quelques minutes. Il peut prendre sa tête pour trouver un autre endroit où il peut mourir directement, la tête remontant à la surface. Si rien ne se passe, versez quelques gouttes d'huile dessus et attendez. Lorsque la tête sort enfin, prenez la pince à épiler et attrapez le parasite par la zone la plus proche de sa tête, pour éviter qu'il ne reste une partie de celle-ci à l'intérieur de votre animal, car si cela se produisait, une infection pourrait se produire. Une fois que vous l'avez complètement retiré, même si le mélange contient déjà de l'alcool désinfectant, vous pouvez vous assurer qu'aucune infection ne survient à l'aide d'iode dans la région, qui restera rincée pendant quelques jours. Vérifiez chaque jour qu'il guérit correctement. Comment éviter ou éliminer les tiques d'un chien avec du vinaigre? Pour réduire les risques de morsures de tiques chez notre animal de compagnie, nous pouvons utiliser des répulsifs faits maison et naturels. Le vinaigre est un produit très efficace utilisé comme répulsif pour tous les types d'insectes, d'acariens et de parasites. Certaines personnes n'utilisent généralement pas ce remède à cause de l'odeur intense qu'il dégage, mais il sera beaucoup plus doux et agréable si vous optez pour le vinaigre de cidre de pomme. Nous vous recommandons de l'utiliser comme ceci. Lavez votre animal de compagnie avec du savon et de l'eau. Après avoir rincé vos cheveux, appliquez le vinaigre. Attendez quelques minutes et rincez à nouveau. Les agrumes, tels que le citron et l'orange, sont également très efficaces. Dans 400 ml d'eau, versez un citron et une orange coupée en tranches.
Laissez bouillir pendant 5 minutes, puis maintenez à feu doux pendant 30 minutes. Laissez-le reposer jusqu'à ce qu'il refroidisse, filtrez l'eau pour jeter le fruit et placez-le dans un vaporisateur. Vaporisez cette eau d'agrumes dans les cheveux de votre animal. N'oubliez pas de partager et de laisser vos commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partagez avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Avec votre nom, et pays. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse, prenez soin de vous.